jodi a se avek anpil plezi pou ke nou antre la kayou. Tak 509 nou pote informasyon la kayou. Eh bien, hier, Dukens Nazon, le dossard 9 de la sélection haïtienne de football, eh bien, après élimination équipe nationale là, eh bien, hier, les mêmes dimanche, il était rentré dans le pays, eh bien, t'es qu'un pile monde, vraiment, qui t'allait supporter, qui t'allait accueillir, dans l'airport là, eh bien, dans le discours, que lequel il était remercié, pour l'histoire nationale là, il était remercié, eh bien, monde qui t'a travaillé dans l'aéroport, il était remercié, eh bien, chaque, ami, chaque fanio, eh bien, ou même qui était venu rencontrer lui dans l'airport national de Toussaint, l'ouverture. Eh bien, je dis à, et nous voyons que la sélection lui-même est éliminée. Eh bien, pour un peu le monde, sans un peu le monde constater, eh bien, c'est que, il y a parlé de corruption, eh bien, Dukens Nazon, eh bien, lui-même, il a parlé de corruption, parce que nous connaît, et gens que un peu l'information a circulé, surtout sur les sociaux, a dit que, eh bien, il y a des milliers de cartes, eh bien, déjà, qui étaient vannes, des milliers de billets qui étaient vannes pour que Otal participe dans la finale, Mexique, États-Unis. En entendant Dukens Nazon, qui t'a exprimé, lui, dans mes cours, journaliste. Bonjour tout le monde. Avant toute chose, nous voulons remercier tout fanatique qui tape tant de moins dans l'aéroport là. Et puis tout, nous voulons remercier service aéroport et police nationale là pour toute sécurité que y était bon moi aujourd'hui. Et pour moi même, c'est un plaisir rentrer la caille aujourd'hui. Je suis vraiment content et vraiment fier. Qui est-ce qui ça? Pensez que bon prestation était vraiment superbe. Nous était vraiment joué un bel tournoi. Toutes les guillotes étaient concernées, toutes les guillotes étaient concentrées. Malheureusement, bon, tout le monde était ouais qui j'en étais sorti dans le tournoi ça. Nous pas de mériter on fait comme ça, mais bon, c'est football. Football c'est qu'on s'allie. Sauf qu'on y a nous obligé d'accepter et aller de l'avant. J'espère que dans la prochaine échéance, Haïti a bien mené et puis on a qualifié pour quelques autres tournois qui piquent encore. Deuxième question. Je me sens vraiment fier. Bon, à chaque fois que je rentre à la CAE, c'est un sentiment qui est spécial. Mais je vous dis, je me sens vraiment, vraiment spécial. Jean Mounio Akeim. Jean Joachim, yeah, la joie qui était sous visage Mounio, expression yo, m'baka décrire, mais c'est un moment qui est vraiment spécial. Troisième question. À titre personnel, qui souvenir ou bien de compétition? À titre personnel, j'ai un bel souvenir parce que Kounia là, moi que c'est un nouveau groupe lié, vraiment jeune. Nous avons une nouvelle mentalité, tout le monde est concentré, nous jetons en famille. Chaque nègre qui est rentré sous terrain, même s'il n'a pas commencé le match là, il a même envie avec les qui a commencé. Nous tous déterminés, nous avons même but. So, yeah, moi le conseil. Je ne sais pas qui est jeune motivation ça. C'est que je n'ai pas parlé dans le moment. Parce que je ne voulais pas quitter les tomber. Je ne voulais pas quitter les tomber. Et puis après ça, je me dis comme ça que voilà, je dois faire un bagage. Avant, je n'ai pas tellement parlé dans le vestiaire là. Quand je suis décidé de parler un peu plus qu'avant. Par contre, la motivation, ça, c'est l'été dans le bon, c'est petit dessalé noué, so, c'est comme ça, so, il est là, il est en dedans. Nous juste besoin de chercher. Et puis, me joindre, c'est comme ça. Cinquième dernière question. Je m'attendais. Qui ça? Bon Dieu capable, bon j'espère que nous avons en équipe qui est encore plus motivée parce que je connais que nous avons capacité et puis nous avons envie. So, si tout le monde mettait tête ensemble et si Haïti mettait tête ensemble, je ne t'ai fait face à Cuba, la Kainou, avec peuple là, avec équipe là, avec pays là, bon c'est que hier nous avons fait un bel bagage et nous avons fait. On dernier. Tu as souffert un peu après sortir dans la zone face au Mexique là, est-ce que c'est confirmé ou tu es blessé vraiment?
Il y a un secret que Kounia m'a avoué comme compétition a été finie. Bon, je t'ai blessé depuis avant match Canada déjà, je t'ai blessé, même t'ai fait bon. Je voulais remercier médecin et kiné sélection, puisque ils ont fait en sorte que je joue match là, même t'ai joué blessé quand même. Je n'ai pas pensé que je tape jouer. Normalement, je n'ai pas supposé jouer. Je me dis comme ça que je vais faire un sacrifice, je pourrais, si je suis capable de jouer dans le premier mi-temps. Bon. Pour ma mi-temps, j'étais un petit genre. Qui j'aime quand dire ça. Je pas à fond. Deuxième mi-temps, je que voilà, pas gagné pour une perdu. Je suis juste bien blessé. Et puis, nous allons tête faite. Et puis voilà, nous gagnons un match là. Mais depuis avant match Canada, j'étais blessé. Sur le deuxième match là, hier, j'étais sorti parce que la blessure était commencé à remonter. J'étais senti une autre douleur. J'étais préféré camper et quitter l'autre nègre qui est 100% entraîne dans le match là. Et Dieu merci, je me suis quitté le match là 0-0. So... Je pensais que je ne pouvais pas pénaliser l'équipe là. Et puis tout, je me tape défendre en pile. C'était un match qui était vraiment difficile. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis sorti dans le match là. C'est un bagaille malais. Yeah, un bagaille inexplicable, un bagaille qui est fantastique. Bon, tout Negio, tout Abitio dans le monde entier, tout le monde dit comme ça que voilà, les pas de pénalty. Yeah, son scandale, son bail qui est grave parce que même un arbitre qui est le plus connu au Mexique, monsieur Laguion tweet, il dit comme ça que voilà, les pas de pénalty. Mais après ça, nous bien qu'on est que il y a un peu de corruption, un pile bagaille. So... Des fois, c'est pas un bagaille qui dépend de football. Il y a l'argent dedans, il y a un bagaille, il y a un vent. Combien de milliers de places pour le public mexicain avant. Il était en plan. C'est qu'on s'allie, mais en tout cas, même si nous sortis comme ça, nous sortis la tête haute, c'est ça qui est plus important. Et puis tout le monde voit que Negio triché, qu'ils prennent la main nous et que nous t'es mérité. Je suis fier de Negio et puis je suis fier de pays. Hein. Merci parce que vous avez suivi TAC 509. Pas oublier abonner avec Chanel là. Capable d'aller sur Facebook également. Capable de like page là. Et puis pas oublier que ton commentaire. Et puis pas oublier tout. Capable toujours partager toute information nous parce que nous-mêmes nous là pour que nous capables d'informer vous. Quel que soit côté que vous même vous sous bout de terre. Et bien TAC 509 lui là carou puisque Gensial Internet. Et bien non pas M. Luchal Higginson qui t'a présenté aux news pour aujourd'hui.